Hey, salut les viewers, comment allez-vous? Moi ça va pas parce que je viens de chier l'enregistrement, hein, comme d'habitude, comme l'épisode précédent. Mais je n'ai pas enregistré le gameplay, hein. D'ailleurs, j'ai encore un doute, est-ce que je viens de l'enregistrer, hein? Alors. Oui, sévère. Allez, je remets. Vous pouvez voir, j'ai juste changé de position par rapport à la dernière fois. Si vous reconnaissez, vous devez sûrement reconnaître cet angle. Hein. Vous connaissez la télé. Bon, j'ai une autre télé derrière pour les autres consoles. Ensuite, je vais d'ailleurs, pour Ok. bien calibrer, je montre ce que j'ai. Là, je crois que j'ai mal montré, mais tant pis. C'est juste pour moi. Donc voilà, donc je vais juste vous placer ici. Voilà. Donc on est à 1 minute, on va charger la partie. Mais bon, ce qui est la connerie donc que j'ai faite donc la dernière fois, Ok. c'était que j'avais rec et j'avais enregistré, mais après je me suis aperçu que j'avais pas enregistré le gameplay. Et là je m'en suis aperçu, mais en cours de route, donc j'ai pas sauvegardé, heureusement. Donc c'est un truc qui m'énerve parce que voilà, la première c'est toujours la bonne, je trouve. Surtout que je m'étais surpassé, j'avais quelques oublis et pourtant j'ai réussi à réussir les épreuves. Enfin, j'ai réussi à faire les épreuves dont j'avais quelques oublis. Bon voilà, ce n'est pas grave. Donc vous voyez, on est à Necrum, la porte qui nous avait amené quand on était à Midomo. Et donc qui nous amène directement en face de Scrabba. Enfin Scrabania, non, Udenchi. Hein. C'est le mauvais nom. Donc je me bande les yeux. Là, je me mets en face de vous, ce sera mieux parce que mettre sur le côté, il faut que je regarde juste une chose. Ouais, c'est bon, c'est bien calibré. Voilà. Ensuite, la manette. Le casque. Ah, je crois que c'est déjà branché, évidemment. Oui, j'aurais pas dû cirer ça. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, au programme, nous allons faire donc le passage secret. Allez, c'est parti. Chose que j'avais réussi à faire dans la première première essai d'enregistrer. J'étais mort qu'une seule fois, voyons si je peux battre mon record. Voilà. Donc c'est parti. Passage secret, les deux Necrom sont connus pour être assez difficiles quand même. Là, rien de compliqué. Bien sûr, rentrer, on est en. Quand on entre dans ce passage secret, mieux vaut rentrer quand on est sans courir dans le portail qui nous mène au passage secret, sinon ça réveille le slip. Alors là, je sais pas s'il y a une trappe. Très bien. Oh, j'aurais pas eu le temps. Parfait. Salut. Désolé. Ok, dis-moi. Non. Ok, dis-moi. Non. Ok. Désolé. Ok. Au boulot. Donc la difficulté maintenant, c'est d'enclencher la bombe et de faire venir le Gritter. J'avais fait juste à ce moment-là. C'est le moyen de bien me repérer. Oui,
là, j'ai réussi du premier coup. Super. C'est bon. Juste en cas si j'ai pas eu que ça merde. Donc, nous sommes à 5 minutes. J'ai battu mon record. On était à peu près à 10 hein, quand je prenais plus de temps. Ok. Donc voilà, c'est 2 de plus. On va avoir au moins les 150 sauvés. Ah, donc la suce marche très bien. Allez, c'est parti. Donc j'ai mis de la lumière parce que voilà, c'était assez sombre là et pourtant il n'est que 4 heures. Allez, c'est parti. Voilà. Donc il y a une épreuve que je redoute, que j'ai quand même un peu peur, et il y a eu un bug avec les fiches, comme ce qui s'est passé aux épreuves des fiches à Necrum. Non, ça va, c'était déjà ça. Je pensais que c'était directement cette épreuve-là. Ça, c'est la suivante, j'en suis sûr. Toujours un pas, je me gourre. Inutile de vous présenter les scrabs. Le SP sera là pour ça. Ou encore la vidéo que j'ai en projet de faire. Donc là, l'épreuve va être un peu chaud. C'est celle où il y a des fiches où je suis en arrière-plan. Hein. Bon, vu que je viens de foirer la première capture, forcément je sais ce qui m'attend maintenant. Une quick save inutile. Ah oui, là j'ai réussi le premier coup par contre. Hein, mais... Vu qu'en arrière-plan il y a plus de pas qu'au premier plan. Au premier plan on peut faire 15 pas, on est tranquille. En arrière-plan je sais pas combien il y en a, j'ai pas. Pas calculé pour ça, donc les sauts à faire au dernier moment, je ne sais pas. Voilà, j'ai fait quelques fois ici, juste à cause de. Alors, ouais, déjà là. Voilà, là, normalement, je vais pouvoir être invisible. Allez, c'est parti. Voilà, donc là j'ai entendu, j'ai tiré le levier, donc là la barrière elle est baissée. Je sais pas si j'avais perdu mon invisibilité, faut que je voie ça à la capture, mais je crois que c'était chaud. Hein. Mais au moins j'ai reçu le premier coup. Chose que je n'ai pas réussi à faire, je crois que j'étais mort 2 fois. Ah, c'est dommage quoi, je crois que les premières captures sont toujours les meilleures, hein, je trouve. Hein. On est où? Ah oui. Et vu que j'avais fait un saut comme ça. Ouais, j'aurais pu faire un saut normal, ça aurait été normal. Qu'est-ce que je viens de dire là? Bon, tant pis. Ça a été plus simple, voilà. Autant ne pas se répéter sur ce que je dis. Voilà. Évidemment, alors là c'est. C'est ça. Ça m'a fait peur ce bruit. C'est les SRA qui se sont foutus sur la gueule que maintenant. Ouais. Là je sais comment faire. Thank you.
moins je peux être tranquille. Voilà. C'est passé exactement comme la dernière fois. Allez, c'est parti. J'ai un levier à tirer et à monter sur la corniche avant que je perde mon invisibilité. Invisibilité, pourquoi je dis invincible? Non, c'est pas invincible. Un homme qui est invincible serait top, mais bon, c'est pas le cas. Ah, je sais qu'il y a des slurgs, donc. Quoi ce bruit que j'ai entendu? Me dis pas que c'est le portable! Il est à 50%. Évidemment, il faut que je vérifie un truc. 15%, ah oui, de 50 tu passes à 15 en moins pas un quart d'heure. Voilà, ça continue d'enregistrer, excusez-moi. Voilà. Parfait. Voilà, il nous reste normalement une épreuve à passer. Avant d'être dans ceux où il y a les 6 portes, il y en a 6, oui il y en a 6. Alors là on est où? Ah oui, ça y est, je me rappelle. Save. J'ai besoin de ce scrap. Voilà, le fiche, c'est fait. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais recharger donc mon téléphone. Mais je verrai que même avec ça, je crois que c'est ce que j'avais déjà fait une fois. Allez, là c'est une question de son. J'avais perdu le repère. C'est bon. On casse. Ah, j'ai réussi à aller à la porte du premier coup. On se dépêche. Voilà.
Là, tu sers à rien, je trouve. Ouais. Je fais pas le passage secret, celui-là il est difficile, voilà. Je sais qu'il y a des broyeux. Voilà. Nous y voilà, donc je vais donc me mettre sur start et je vous on se retrouve donc pour la suite là, parce que je dois recharger mon portable. Il y a un problème, je vais le mettre en charge pendant que je rec. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure les viewers. Donc on se retrouve maintenant pour la suite de l'épisode 9. Voilà, mon téléphone est chargé, maintenant ça enregistre, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je devais faire? Ah, enfin, celle-là. Mais qu'est-ce que je pense? Voilà. Ah, je crois que je suis en haut à gauche. Très bien, c'est parti. De quelle épreuve s'agit-il? Donc je ne peux pas revenir en arrière maintenant. Réfléchissons. Genre, il y a un puits. C'est pas ça. Réfléchissons, j'ai pas envie de faire une bêtise. Non. Alors je suis accroupi. Je suis paumé là. Je me souviens pas. Il y a un puits. Alors par élimination, et non, la seule fois il y a un puits. Attends, si je fais ça. Aïe 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 aïe. J'ai pas choisi le plus facile, je crois que c'est celui où je suis en arrière-plan, donc ça. Aïe 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 aïe. J'ai pas choisi le meilleur. Aïe.
passage secret est trop dur aussi, je vais pas le faire. J'espère qu'ils sont tous en haut à gauche. Allez, c'est parti. Je sais pas quoi faire, moi. Il crevait là sur ce coup-ci. Réfléchissons. Je suis complètement paumé là. Ouais, tuez-moi. Ma vie, c'était pas régénéré encore. Ah, c'est pas possible, ça. Alors ils sont en haut, ça je sais. Et voilà, il y a en dessous, il y a le passage secret. Enfin. Ça, c'est, je sais que c'est dur, voilà, ça prend du temps. Bon, au moment où j'y réfléchis, je crois que je ferai une petite coupure quand même. Et là, ça va pas être le plus facile puisqu'il faut... Je crois que vous m'avez compris ce que je dois faire. Thank you.
Pourquoi j'ai l'air par exemple, j'ai l'air en ce temps. Allez, vous avez le choix. Ah, c'est gentil. Ah, mais tiens, on est là. On va garder là. On va juste mettre. Ils m'ont pas entendu. Si je fais ça. Voilà, c'était 3 pas. Bon, c'est bon. Oui, c'est, on sait jamais. Putain, je vais... J'aimerais bien faire plus longtemps, mais voilà. 32 minutes. Sans les coupures, j'ai mis je sais pas combien de temps à savoir quelle est la quête que je voulais faire, parce que voilà, autant avoir un peu d'action. Donc si je me souviens, je suis en arrière-plan. Non, je suis pas en arrière-plan, moi je m'en fous. Voilà. Bon, il y a une porte de fête, c'est déjà ça. Oh oh, j'ai fait tomber un truc. Et je sais pas ce que c'est. Bon, un truc qui m'aide pas. Alors, il y a aucun bruit. C'est bien celui-là. Je crois que c'est l'épreuve qui dure que sur 3 écrans. C'est bien celui-là. Ça va être dur à la fin, mais on va essayer. Ah, ils m'ont repéré. Le dieu tiré, 11 morts. Hein? Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que je suis en train de rouler, hein, donc c'est bon. Mais bon, je suis tranquille. Par contre, je vais pas être tranquille. C'est comme l'épreuve paramite où je devais être ramassé, passer en dessous et casser une serrure. Je me rappelle, j'avais fait les premières fois. Est-ce que ça arrive toujours? Faut que je regarde. Est-ce qu'il y a un petit point vert? Il y a un petit point vert, ça va. Parce que j'ai pas envie de recommencer. Hein. Je suis allé plus loin que d'habitude. Hein.
Bah tue-moi, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas un pas après avoir été descendu? C'est directement... Bon, faut que je vérifie un truc, on est bien là parce que le temps je compte pour moi, il me reste moins de 10 minutes, d'accord. Très bien, c'était bien ça. Peut-être j'aurais... Ah oui, c'est vrai que j'ai enregistré au moment où j'ai tiré le levier, donc... Oh non, non, pas ça, pas ça. Les flèches sont montées. Ils sont montés, les flèches. Mais Captain y avait raison, hein. Ça va pas être facile. Des puits, un scrub. En arrière-plan, vu le son qui est un peu loin. Ah, c'est bien celui-là. Encore 3 screens sur 3 screens, ça se ressemble, c'est très clair. Comment je vais faire? À combien? On a 38 minutes, je pense que ça ira quand même. Oui, je pense pas finir la porte parce que je pense vraiment galérer. Donc sur ce, voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc on va enregistrer. Ah, oh, certainement fort qu'après ça prend dans les cheveux, mais bon. Alors. Voyons ça. Nous allons sauvegarder. Alors, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah oui, la souris, je l'ai vraiment propulsé loin, quoi. Pauvre souris. Alors, blind, sauver la partie, écraser. Voilà, valider. Donc voilà, nous sommes donc à 39 minutes. Plus quelques coupures, donc ça fera un peu plus de 30 minutes. Heureusement, je pense que ça doit être un peu plus de. Ah, ouais, j'avais raison, c'était bien celui-là. Au son, on le savait quoi. Donc, mais toutes les épreuves ne se ressemblent pas, donc ça m'aide. Donc voilà, donc que dire de plus? Parce que j'ai quand même 10 minutes. Enfin, exactement, j'ai 7 minutes encore pour moi. Donc que dire de plus? Que voilà, je pense vraiment par la suite faire des épisodes plus longs parce que voilà, 30 minutes juste à cause de ce téléphone qui peut enregistrer que 30 minutes consécutives et après il faut relancer. Voilà quoi, je préfère faire comme j'ai fait là, mais bon, c'était une raison là pour faire une deuxième partie. Donc voilà, donc nous sommes. Oui, c'est vrai que les portes de Midomo, il y a plusieurs épreuves sur une seule porte, donc là je peux pas vraiment dire. Ça va être facile, hein, parce que comme je vois là, bien sûr, je ne m'entraîne pas là, je m'étais entraîné avant pour voir si j'en étais capable, chose que j'ai réussi à faire. Et donc là, je vois ça, mais j'ai mes repères, de toute façon, je l'ai fait énormément de fois. Donc, quand même, si vous avez un défi sous la main ou bien qui va bientôt arriver sur un niveau suivant, Fan Midonchi ou encore Fico, puisque ce sera forcément le prochain niveau. Donc n'hésitez pas à mettre votre défi si vous en avez un. Donc voilà, on se rapproche de la fin du CD1. Voilà, c'est déjà un grand cap de fait pour un jeu si difficile à faire pour quelqu'un qui fait la première fois. Moi, je vais déjà finir le CD1, les yeux bandés. Franchement.
Mais j'espère avoir quelque chose pour enregistrer, genre vraiment une vraie caméra, pas avec le téléphone, ça m'arrangerait. Donc voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, hein, même si c'est pas très important. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, donc voilà. Mettez un pouce qui soit bleu ou noir, ça reste un pouce, et moi je vous dis salut les viewers, et à la prochaine pour l'épisode 10 de Outdoor Exode Day.